Salut à vous les énervés de la queue de détente, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je pense que j'ai un truc qui va réellement vous plaire. J'avais déjà présenté un Uzi qui était en semi-auto. On m'avait dit ouais c'est bien mais il manque le full auto Mika. Ok, écoute, aujourd'hui je te présente ce petit cybergun qui s'appelle le Protector bien sûr. Alors il s'appelle pas le Uzi, c'est un pistolet mitrailleur donc il porte bien son nom en babies. Donc qui va tirer des billes d'acier en 4-5, qui va fonctionner avec des sparklettes de CO2. Il est livré avec une clé Allen pour venir mettre la sparklette de CO2 dans le chargeur, ainsi qu'un bouchon de rechange et un petit outil pour régler la mire. Ok, je te montrerai ça juste après. 25 coups, semi-auto, full auto. Et là on va rire. Passage au chrony puisqu'il est indiqué à 1,5 joules, donc on va voir si on obtient un peu plus ou un petit peu moins, on sait jamais, mais en tout cas il a vraiment une bonne gueule. 2,2 kg sur la balance, c'est du full metal, vraiment très intéressant. Alors c'est Cybergun, c'est siglé Swiss Arm, mais on sait que Swiss Arm appartient à Cybergun. Un très joli blowback quand tu vas tirer, et pour l'armement tu as une sûreté ici supplémentaire. Si tu ne viens pas la presser, tu ne pourras pas presser la queue de détente à son tour, ok. Alors tu as trois crans, sûreté, donc blocage de la queue de détente, semi-auto et mode magique full auto, ok. Voilà, la crosse est repliable pour ceux qui préféraient s'amuser comme ça, ou alors dépliable pour ceux qui voudraient épauler en style assaut tout simplement, ok. Jusque là rien d'extraordinaire. Organe de visée réglable, donc comme je vous disais, dans cette fameuse petite pochette, tu vas retrouver un petit outil pour venir régler la hauteur de mire, d'accord. Donc tu appuies, tu descends, tu montes, c'est plutôt intéressant. Un bouchon de rechange si tu foires le premier, ce qui est plutôt cool, parce que c'est pas souvent qu'ils le mettent. Et ici, tu as deux œilletons réglables, le petit, le grand, et c'est réglable en dérive également. Voilà, donc je pense qu'on peut pas faire plus complet. Full acier, comme je vous disais, ici on sort le chargeur qui va s'alimenter en CO2 par l'arrière. Et l'arme est de très bonne facture, on est en full métal et le reste du polymère. Il y a vraiment, j'ai pas grand chose à dire en fait au final sur la qualité en tout cas. Alors avant toute chose, comme d'habitude, je remercie les gens qui s'abonnent à cette chaîne. Et je te rappelle que tu n'as plus que 2 jours pour profiter des grosses promotions Olight que j'avais débloquées sur la chaîne pour 3 produits. Je te remets ça dans la description si tu veux faire plaisir. Après, ça sera pas avant peut-être un mois, je ne sais pas combien de temps. Ok, j'avais mis un couteau, une lampe EDC, bâton 3. Et une petite lampe tactique pour aller sur les armes de poing qui est très bien avec un pointeur rouge et 600 lumens de puissance qui est la Balder RL Mini. Donc tu as tout dans la description. Je te mettrai également le lien de ce joli Uzi Protector. Ah, ils l'ont appelé Protector parce qu'ils n'avaient peut-être pas la licence. En tout cas, c'est du Uzi sans problème. Et les codes promotion Mikarm, Mikarm 10 et Mikarm Mikataz, pardon, excuse-moi. Il y a aussi le Discord, n'hésite pas à le rejoindre. Il y a de plus en plus de monde. Tu as le groupe Facebook ainsi que le compte Twitter, etc. etc. Ok, voilà, je ne peux pas faire mieux. Je suis au taquet et il fait chaud. Et voilà, c'est tout. Alors, on va venir sortir. Hop là, on va venir mettre une sparklette de CO2, bon, rien de compliqué jusque là, on le met dans ce sens là, hop, on vient mettre le petit bouchon. Je vais utiliser de la babies standard en 0,30 g puisqu'on ne trouve plus les autres pour l'instant, donc c'est pénurie, hein, c'est un petit peu comme la poudre noire. Donc on va faire avec les 0,35 g, on va voir si ça sort vraiment 1,5 joules ou si on peut s'attendre un petit peu à mieux. On va voir, ok. Donc on va alimenter le chargeur en billes. Alors j'ai pas de speed loader, ça serait bien qu'on m'en offre un jour, hein. Si Bergen voit cette vidéo, s'il vous plaît envoyez moi un speed loader, ce serait cool, j'en ai marre de les rentrer une par une, quoi, ok. Voilà. Hey, ça rentre bien en fait, comme papa dans la main un jour de paye. La merde, j'en ai mis à côté, la paye devait pas être bonne. Bien sûr tu peux également soutenir cette chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre ou souscrire à la chaîne, et sache que à chaque fois que tu fais un don ou sur le Tipeee, ça me permet moi de mettre de côté pour lancer ma propre armerie. Et je peux te dire que ça c'est du gros projet, on en a parlé en live hier d'ailleurs. C'est pas donné, hein, il faut des fonds pour lancer un truc comme ça. Et vraiment le jour où je serai autonome, putain, on sera au top de top,
On va pas se mentir que là on pourra se faire vraiment plaisir. J'aurai mes propres couloirs de tir parce que je compte en faire deux, un 25 et un 50 mètres en privé sous le bâtiment. Donc vraiment du gros projet quoi. Ok. Bon alors, autonomie, ça bouffe de la sparklette, hein. Forcément full auto, blowback, tu dois te dire que. Donc une sparklette, un chargeur et demi. Voilà. Je vais pas. Voilà. C'est comme ça. Par contre, c'est fun de dingue. Hein. Et je pense qu'il y en a plus d'un qui vont craquer sur le modèle parce que ceux qui m'avaient dit, ouais, il me tente bien le Uzi que tu avais présenté la dernière fois, mais il manque le full auto Mika. Il y a le full auto là. Allez, on va mettre tout ça en route, la cible et le chrony. Bon, alors je te promets pas que ça va être précis de ouf, hein, faut te le dire. Okay. Alors, les billes, c'est bon, on est full chargé, on a le CO2. Donc là, on est en mode sûreté, on va mettre le chargeur. Ok. Donc là c'est bon, on se met en mode semi-auto, on vient alimenter et on est parti, on va voir à combien de mètres ça passe. 95 mètres, 95 mètres, 93, 93. Alors je tire à l'arrache, hein, c'est pour le chrony. Hein. 100 mètres. 105 mètres. 100, je crois qu'il n'y en a plus. On tourne à entre 95 et 100 mètres, ce qui est plutôt correct. Okay. Donc là, il n'y a plus de billes. Alors, on va faire le calcul après quand on aura fini. On va passer déjà à la partie qui vous intéresse tous, je pense. Ah, c'est le full auto, quoi. Et là, il faut remettre une sparklette neuve, c'est obligatoire. Tu fais pas un full auto sans sparklette neuve, je suis désolé. Ça n'existe pas. Ok. Est-ce que je change la cible? Non, on est complètement à droite, mais ça a l'air d'être assez groupé quand même. Et puis j'ai envie de te dire honnêtement, quand c'est du full auto, je m'en fous. Parce que full auto, là tu es sur un truc pour du pinking. On doit être dans les 1 joule 5, hein, c'est bien ce qui doit être mentionné, je pense. 1 joule 5, 1 joule 7, peut-être. Mais là, on est, la cible est à 8 mètres quand même, hein, ça tape. Hein. Alors oui, il y a ce qu'ils appellent dessus une augmentation de l'effet de recul. Donc d'où l'impression que ça tape très fort. Voilà. Et c'est assez marrant. Voilà. Ça doit bien consommer aussi, je pense. Alors hop, on va rentrer les 25 billes dedans. On va partir sur une session full auto. Hein. Tandis. Bien sûr, cette réplique est en vente libre à toute personne pouvant prouver sa majorité avec une carte d'identité disponible sur le site Maxi Protec. Les babies également. Je vous mettrai tout ça dans la description, le lien de ça, le lien de billes, etc. Par rapport à cette petite vidéo. Voilà. Mais je pense qu'il va vraiment énormément plaire parce que vous allez voir, quand on part en full auto, ça part en n'importe quoi. Voilà. Je ne vais pas te mentir, ça commence à être un peu... c'est Bagdad. Et tu sais comment je suis un enfant et que j'aime quand c'est le bordel. Ok, donc sparklette neuve, on va passer en sûreté pour l'instant. Là, on va se mettre comme ça, on va taper, on passe en sûreté, on met ça comme ça. Alors, est-ce que tu es prêt, mon copain? Parce que là, on n'est pas bien là. Alors là, on est bien, si, on est bien, mais putain, la vache, faut que j'arrive à tout mettre dedans, quoi. Ça va être n'importe quoi. Allez, mode magique. Oh la vache, putain. T'es prête? Parce que moi, je suis pas prête, hein. ça a pris combien de temps? J'ai pas eu le temps de comprendre en fait la durée de la vidange du pétard en fait. Mais c'est n'importe quoi! Qu'est-ce que c'est encore que cette connerie? Achète! Valide! Tout de suite! Allez, on va faire un petit compte rendu et on va faire le calcul des joules. Bon, je pense pas que ce soit un truc de fou, hein, mais ça suffit largement pour du tir de loisir. Alors. Alors, tac, poids 0,30. On a dit entre 95 et 100, on est passé à 105 à un moment donné. Ouais, bon. On va mettre 100 pour la gloire. Bon, on est à 1,5 joules. Voilà. Ce qui est correct. C'est ce qui est annoncé. On est à 1,5 joules.
Voilà, 100 mètres secondes pour des billes d'acier, c'est très bien, sachant que les billes d'acier ne s'écrasent pas comme du plomb. Voilà. Ok, bon, écoutez, je vous la remonte de près, j'en suis complètement satisfait, c'est un beau joujou. Pour les gens qui ont peu d'espace ou qui veulent une réplique, surtout qu'elle a été beaucoup demandée en full auto et jusqu'à maintenant je vous ai présenté que des modèles semi-auto, et je pense que c'est la seule disponible en full auto, en tout cas en babies. Ok, voilà, je te remercie de m'avoir regardé, je te souhaite une agréable journée, n'hésite pas à t'abonner, à aller check la description pour les promos light qui finissent demain, et bah écoute, porte-toi bien, et voilà, ok, tchuss.